Faut s'écouter, faut écouter les autres, mais au bout d'un moment, faut arrêter de trop réfléchir, faut éteindre le cerveau et avancer. T'as confiance en ta strat, tu dis ok j'ai fait ça, et de temps en temps tu relèves la tête, tu fais les réglages, t'éteins le cerveau, tu fonces. Depuis que j'ai ce déclic là, pour moi le matin je vais pas au travail, je vais m'amuser. Je me lève le matin, je dis allez vite, je vais au bureau, j'allume mon ordi, je subis pas ma vie. Quand t'aimes ce que tu fais, que t'es passionné, t'as plus l'impression de travailler. Le jour où j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est le jour où j'ai dit ok, j'arrête d'écouter les autres, je démissionne et je vais m'écouter à moi parce que je pense que j'ai raison. Le jour où j'ai fait ça, sur l'immobilier, j'ai cartonné. J'ai monté ma boîte, je l'ai fait comme ça, j'ai cartonné direct. Mm-hmm. Je fais 100 000 euros la deuxième année, 1 million d'euros la troisième année. Bonjour Quentin. Salut Fabio. Comment vas-tu? Très bien. Quentin, c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur ce podcast autour de cette belle table. On est ici à Toulouse, on n'est pas loin de chez toi. C'est ça. Alors, c'est assez comique parce que finalement, ce podcast n'était pas prévu, mais je trouve qu'il vaut vraiment la peine d'être fait. On se connaît depuis très très peu de temps, depuis même, on va peut-être le dire, depuis quelques heures, mais on se suit tous les deux sur les réseaux. Et on a quelques points communs dans notre parcours tous les deux. Tu es actif essentiellement dans tout ce qui est commerce et business physique. On va en parler juste après. Beaucoup d'immobilier. Tu as des business dans le loisir. Tu as des business dans la distribution, distributeur automatique, dans les laveries. Tu as quelques infoproduits, quelques formations. Cabinet comptable aussi. Donc, c'est assez divers et varié. C'est un choix que tu as fait. Tout comme moi, j'ai fait ce choix d'avoir plusieurs entreprises dans différents secteurs confondus. C'était une stratégie que j'ai prise moi il y a quelques années, dont toi également tu as pris. Et on va en parler de pourquoi avoir pris cette stratégie, cette décision, cette voie. Du coup, écoute, je vais te laisser te présenter directement à l'audience en quelques lignes, en quelques mots, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Et puis on va ensuite continuer sur ton parcours et creuser un petit peu sur quelles ont été tes motivations, quelles sont toujours tes motivations, tes projets, quels ont été certains éléments déclencheurs, quelle est ta stratégie, ta vision du business et pourquoi avoir pris telle ou telle décision et pas d'autres. Donc je te laisse te présenter, la parole est à toi. Ça marche, moi, je m'appelle Quentin Doulcier du coup. Bon, sur les réseaux, vous avez juste Quentin Doulcier, YouTube, Instagram, c'est tout moi. Je parcours assez large, donc je vais essayer de résumer. Donc j'étais un peu monsieur tout le monde, je fais des études, un bac plus 2, je travaille en CDI parce que mes parents voulaient que je fasse un bac plus 2 pour travailler. Donc j'ai fait le minimum, j'ai commencé à travailler et j'ai eu un déclic à 15 ans où je savais que je voulais investir dans l'immobilier, je savais pas comment, je savais pas pourquoi. Mais en fait c'est ma grand-mère à l'époque qui avait acheté deux petits studios étudiants au Havre et je voyais qu'elle recevait des loyers sans rien faire. Et là, je me suis dit, tiens, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. D'ailleurs, il y a un truc à faire, elle travaille, elle avait un petit cachot, peut-être 100, 200 euros par mois, mais moi, ça, c'était un déclic de travailler sans rien faire, de gagner de l'argent sans rien faire. C'était un déclic que j'avais eu. Et donc, je savais pas quoi faire, mais je savais que je voulais être dans l'immobilier. Quand j'ai eu ce déclic, j'étais en première S comme tout le monde. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis réorienté complètement. Je me suis dit, voilà, je n'étais pas très fort à l'école. C'est à l'époque, j'avais 10 de moyenne en première S. Et du coup, je suis passé travailler dans une première de bâtiment. J'ai fait mes études dans le bâtiment. J'ai fait un IUT génie civil parce que je savais qu'en étant dans le bâtiment, j'allais toucher indirectement l'immobilier. Et tout le long de mes études, en fait, j'ai, à force de petites recherches sur Google, etc., j'ai affiné un peu ce que je voulais faire. Les vidéos YouTube, il y en avait très peu. Là, on parle de, je sais pas, 2010, 2012 à peu près. Mais voilà, le peu qu'il y avait, ça me nourrissait. Ça rentrait dans un coin de ma tête. Donc pendant 2-3 ans, j'ai juste encaissé dans des coins de ma tête. Ça, tout simplement. À côté, je faisais des mini-business. J'essayais de vendre des trucs sur le bon coin. Enfin, rien d'extraordinaire. Et du coup, dès que j'ai fini mes études, j'ai commencé à chercher un travail et je voulais acheter un bien immobilier à tout prix. Donc j'ai cherché un CDI, sauf que j'ai mis 2 ans avant de trouver un CDI. C'est normal, on sort de l'école, on fait un CDD, de l'intérim, etc. Et au bout d'un moment, j'ai accepté d'avoir un CDI moins bien payé que ce que j'avais. Donc je suis allé travailler en bureau d'études pour 1600 euros net par mois, juste pour pouvoir avoir un prêt immobilier. D'accord. Et la vie a fait que finalement, donc là j'étais à Toulouse à ce moment-là, la vie a fait que finalement j'ai fini dans une ville de 10 000 habitants. Donc moi j'étais persuadé qu'il fallait acheter un studio étudiant et faire comme ma grand-mère, comme tout le monde. Et à force d'avoir engrangé des données, je me suis dit non, attends, il y a peut-être mieux à faire. Moi je veux devenir rentier rapidement parce que travailler j'aime bien, mais j'aime pas plus que ça non plus. Enfin j'aime bien être libre et je trouve que dans un travail on n'est pas spécialement libre. Enfin on m'écoutait pas assez du moins. Et du coup j'ai eu cette réflexion, je me suis dit tiens, si j'étudiais cette ville de 10 000 habitants,
parce que j'ai grandi dans des villes comme ça, donc je connaissais bien le marché. Et je me suis dit, bah, tiens, si, au lieu de faire comme tout le monde pour avoir le même résultat que tout le monde, si j'essayais d'innover, si pour une fois j'essayais de m'écouter et de ne pas écouter les autres. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, regarde, c'était au tout début du Airbnb, c'est 2014-2015. Je me suis dit, tiens, au lieu de faire du Airbnb à Toulouse, comme ça commençait à être la mode, je me suis dit, si je fais du Airbnb dans ma petite ville, je prends une vieille maison pourrie, je la rénove, je la divise en appartements. Donc j'avais, c'était pas du hasard, j'en parle bien dans mon livre, c'est que en fait j'ai additionné stratégie. J'avais pas assez pour acheter un immeuble, mais je voulais plusieurs appartes. Donc ma seule solution, c'était de prendre une maison et de la transformer en immeuble. Donc j'ai visité des vieilles maisons jusqu'à qu'il y en ait une qui soit facilement divisible avec un couloir central finalement. Enfin voilà, j'aime bien dire, c'est, je suis pas un génie, je fais toujours du simple, efficace et bien fait, et ça fonctionne bien. Donc j'ai acheté une maison, 90 000 euros, avec 30 000 euros de travaux, 120 000 euros, donc mon premier crédit à la banque. J'avais même galéré au début à me faire financer, parce que je disais, ouais, je veux faire un immeuble et tout à la bancaire. Et la bancaire me dit, non, achetez d'abord votre maison, etc. Donc là, j'ai compris, oui, ok, pas de souci, j'achète ma maison. Donc là, elle m'a dit oui tout de suite, du coup. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté. J'ai fait un premier appartement où je suis allé habiter dedans, donc c'était vraiment ma maison. Sauf que du coup, une fois que j'étais dedans, au début je faisais les travaux moi-même, pas parce que je savais faire, parce que je savais pas faire, j'avais que la théorie de mes études, mais pour apprendre. Moi j'aime bien toujours faire avant de déléguer, c'est ma strat de tous les business que j'ai fait, même plus tard. Et du coup j'ai fait ça, j'ai fait un premier appartement et j'ai testé du coup le Airbnb dans les villes de 10 000 habitants. Donc, tout le monde au début, j'étais un peu un ovni. T'étais le seul finalement. Oh, ouais, j'étais le premier Airbnb dedans. Donc c'était un risque parce que si ça marchait, je me gavais. Si ça marchait pas, j'avais mon plan B parce que je suis très sécuritaire comme mec, qui était de louer en location meublée. Donc 4 appartes en location meublée à 450 l'appart. J'avais mon 1800. Ouais, voilà, j'avais mon 1800 euros par mois, sachant que j'avais un crédit que de 500 euros. Donc mon plan B était rentable. Et au pire, mon plan C, je faisais en location nue. Ou au pire, j'habitais dedans. À 500 euros de crédit, j'habitais dedans, j'étais bien. J'ai fait cette analyse, j'ai mis en courte durée. Premier mois, taux de remplissage 50%, deuxième mois 80-90%, et du coup j'ai dit putain ça marche, donc je me suis dépêché de rénover les autres appartements, et du coup 537 euros de crédit de mémoire, et je montais jusqu'à 4000 euros de loyer avec mon premier investissement. Là j'ai dit putain, en fait je pense que j'ai un truc, ça marche bien, et voilà. Et après j'ai juste reproduit ce schéma. Je me suis dit attends, peut-être t'as eu un coup de chance, parce que voilà, j'ai toujours un peu le syndrome de l'imposteur, dire ah peut-être t'as eu de la chance. Du coup je l'ai refait, j'ai racheté une vieille maison de ville que j'ai redivisée, que j'ai remis en courte durée toujours dans le même secteur, et putain ça a remarché. Et du coup après j'ai gagné 5000 euros à peu près de cash flow net entre les deux. Et du coup au bout d'un moment je gagnais 1500 euros au travail, 5000 euros dans l'immobilier. Ça commençait à aller un peu moins bien au travail. Au bout d'un moment ça me faisait chier parce que finalement j'aimais bien mon travail mais je n'étais pas reconnu pour ma valeur. Donc j'ai démissionné pour me dire pour me mettre à 100% dans ce que je faisais, quoi. Et c'était un peu, je suis devenu rentier entre guillemets, c'était en 2016. Donc premier mois de rentier, c'était marrant parce que comme tout le monde veut être rentier mais personne ne sait finalement pourquoi. Parce que du coup moi j'étais rentier mais du jour au lendemain, c'est comme un peu, je crois que quand tu vends ta boîte c'est un peu pareil, tu te retrouves avec à plus rien faire, donc c'est un peu bizarre. Donc moi j'ai joué aux jeux vidéo, j'étais un geek à la base, donc je joue un mois, deux mois, trois mois, sauf qu'après le jeu vidéo t'as fait le tour. Et du coup tu te fais chier, donc je suis mon chantier, je commence à monter un business puis deux, et en fait je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais c'était complètement logique. Donc les gens me disent quand ils me croisent, t'es rentier mais tu travailles beaucoup. Non, ce que je comprends pas, c'est quand je me lève le matin, je suis tellement content de faire des nouveaux projets, et qu'être à la plage et rien faire pendant trois mois, enfin, c'est pas moi. Et donc j'ai continué à investir dans l'immobilier, donc j'ai monté ma boîte au début, parce que les gens me disaient, comment t'as fait pour être rentier aussi vite? Parce que ça s'est passé grosso modo en un an et demi, tout ça. Donc les gens me disaient, ah, comment t'as fait? Donc au début, je donnais gratuitement, après c'était les amis d'amis. Je disais, ok, je te fais payer 10 euros de l'heure, après 20 euros de l'heure. Et après, donc le premier mois, je dis, allez, tiens, là, je vais aider du monde. Je fais une sorte de mini-lancement sur mes réseaux sociaux et j'arrive à encaisser en un mois 10 000 euros. Okay. Donc je me dis, putain, là je tiens peut-être un truc. C'était le tout début des formations en ligne, etc. Et je me dis, tiens, non, je suis entrepreneur, je suis pas con, je vois que j'aide les gens, qu'ils ont des résultats. Donc au bout d'un moment, je structure. Et vu que j'étais bloqué, je vendais mon temps. Donc 10 000 euros par mois, j'étais à mon plafond. C'était bien, mais c'était un plafond. Du coup, je me dis, les conseils, vu que je répète tout le temps la même chose, je vais tourner une vidéo. Et je vais vendre cette vidéo à tout le monde. C'était la formation e-learning, c'était le tout début de ça. Et du coup, je le fais, ça fonctionne bien. Et je fais 100 000 euros la deuxième année, 1 million d'euros la troisième année. Parce que quand je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond. Donc j'ai bien envoyé. Voilà, donc pour la partie ça. Donc j'aide les gens. Et après, entre deux projets, je m'ennuie vite. Parce que l'immobilier, c'est bien, mais c'est long.
Parce que quand tu achètes un bien, c'est 3 mois, plus 3 mois pour le rénover, etc. Donc il fallait combler cet envie. Et du coup, je commence à lancer des petits sites web, des blogs, je m'amuse, je teste des trucs. Je lance mon premier business aussi à l'époque. J'ouvre un magasin, il s'appelait Cash Center. C'était comme les cash converteurs, les achats-ventes, dépôts-ventes. Et c'était en fait, c'était le hack, c'est que c'était un magasin. Je l'ai ouvert, j'ai juste assez des rayonnages vides. Et le début, c'était du dépôt-vente. Donc, je me suis servi des gens pour acheter mon stock de départ. Et du coup, j'ai pris un local. Le propriétaire s'est bien passé. Je louais 800 euros par mois. J'ai mis des rayons. Les clients sont venus remplir mes rayons. Après, je faisais des brocantes le week-end parce que je savais ce qui se vendait bien. Donc, j'achetais en brocante 1-2 euros et je revendais 5-10 euros dans le truc. Donc, ça, c'était mon premier business qui m'a beaucoup appris parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. C'est à la base, les gens qui me connaissent d'époque, je suis quand même un grand timide. Enfin, t'as pu le voir, quand tu me parles pas, je te parle pas, grosso modo, c'est dans mon coin, tu vois. Et du coup, ça m'a bien appris à négocier, à avoir le contact client, etc. Et après, ça commençait à monter, la boîte commençait à marcher. Du coup, j'ai pu me verser un petit salaire, j'ai pu commencer à réemprunter. Donc au début, quand je ne pouvais pas emprunter, j'avais trouvé une astuce, c'est que vu que j'avais beaucoup de cash flow et que moi je vivais toujours pour 1000 euros par mois, moi je suis le roi du monde, tu me donnes un ordi, un lit, je suis content. Vu que je pouvais pas emprunter parce que j'avais un dossier nul, j'étais un chômeur qui venait de... Enfin, j'étais officiellement un chômeur, quoi, entrepreneur mais chômeur. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des biens pas chers. Donc je me suis mis à faire le tour de toutes les agences immobilières de mon secteur en disant voilà, j'aimerais bien acheter, j'ai 40 000 euros de budget parce que je savais qu'avec le cash flow que je faisais, j'étais en train d'entasser un peu les sous. Et tout ce que vous avez à moins de 50 000 euros, présentez-moi-le. Donc au début, quand tu rentres dans une agence immobilière, tu dis ça, ils te prennent pour un clochard. Donc j'ai vraiment eu ce regard-là en mode bon allez, t'es le petit jeune. Je disais non, je suis dans l'immobilier, je gagne beaucoup d'argent. Non, t'es un petit jeune, tu me demandes un bien à moins de 50 000, t'es pas dans l'immobilier. Sauf qu'à force de parler, je trouvais des agents immobiliers qui m'ont compris et qui commençaient à me proposer toutes les merdes qu'ils avaient pas très cher. Sauf que quand tu fais le tri dans les merdes, il y a toujours un truc qui est correct. Je me rappelle le premier achat que j'ai fait comme ça, c'était un immeuble, on l'appelait l'immeuble aux pigeons là, sur ma chaîne YouTube parce qu'il était infesté de pigeons, donc invendable. Vraiment, t'avais ça de merde de pigeons, tu marchais, c'était dégueulasse. Ah ouais. Parce que je l'ai acheté 17 500 euros, 280 mètres carrés, en centre-ville d'une ville de 10 000 habitants. Donc personne n'en voulait, vraiment délabré avec une petite fuite de toiture. Enfin, moi, ça me faisait plus peur parce que je venais de rénover deux immeubles entièrement. Je l'ai acheté, je l'ai nettoyé les merdes de pigeons, j'ai réparé la toiture. Ça m'a coûté quelques milliers d'euros. Et je l'ai revendu 80 000 euros juste après. Donc ça m'a refait un apport. Énorme. Après, j'ai racheté un appart, pareil, un vieux local commercial à 17 000 euros que j'ai transformé en appartement, que j'ai mis en Airbnb, que j'avais payé cash. Et il me rapportait à peu près 1 700 euros par mois en Airbnb. Okay. Donc je m'étais créé encore un cash flow. En fait, voilà, c'est comme ça que je suis remonté. Et à côté de ça, du coup, j'étais salarié de ma société. Donc là, j'avais de l'apport et en plus, j'étais salarié. Ce qui m'a permis au final de commencer à reprendre des petits immeubles, etc. et de continuer dans d'autres villes. Ce que je faisais, du Airbnb dans les petites villes, etc., ça a marché. Et je suis monté comme ça jusqu'à 60 appartements, dont 30 en Airbnb. Donc là, c'était une petite usine à Airbnb, mais du coup, j'encaissais au taquet de cash flow, quoi. Énorme. Et après, du coup, j'ai monté des sociétés parce que j'avais du temps, j'avais de l'argent. Et du coup, vu que je suis parti de zéro, vraiment, j'ai tout fait moi-même, etc. J'appelle ça la valeur de l'argent. Je trouve que j'ai pas mal la valeur de l'argent. Un euro, c'est un euro pour moi. Quand une pièce d'un centime par terre, tu vas me voir la ramasser. Enfin, pour moi, de l'argent, ça se jette pas par terre, tu vois. Et j'ai connu des mois où j'avais rien à être régulé. J'avais un toit, etc. Mais je comptais mes sous comme tout le monde, au bien final. Sûr, ouais. Et après, j'ai commencé à remonter des business. Du coup, le premier business, bon, j'ai fait plein de business web, j'ai monté des blogs, il y a des sites e-commerce. Quand c'était l'époque du drop, j'ai fait du drop, j'ai vendu on appelait ça du polygel, c'est les vernis à ongles, etc. C'est ce qui m'a formé au marketing en ligne, que finalement je me suis resservi dans d'autres sociétés après, etc. Donc je fais 100 000 euros. Enfin voilà, je voyais que tout ce que je faisais, j'arrivais à le faire finalement. Et donc après, je commençais. Par contre, j'aimais pas avoir des employés. J'ai toujours eu un ou deux employés, mais à chaque fois, je suis pas à l'aise avec l'être humain, avec le coaching. Moi, j'aime bien bosser. Quand je dis à quelqu'un, fais ça, pour moi, c'est à qui il doit le faire. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas aussi acquis que ça pour tout le monde. Donc, j'ai cherché des business automatiques. Comme l'immobilier, c'était automatique. J'ai investi, du coup, dans les laveries automatiques. Qui, pour moi, enfin, c'est le premier truc quand on dit business automatique, les gens pensent laverie automatique. C'est ça. Donc, t'as un gros travail au début, tu crées une laverie et après, t'attends et t'encaisses, voilà, les carwash, mais qui a un ticket d'entrée beaucoup plus gros. Alors que les laveries, on peut, à partir d'une vieille laverie, tu peux l'acheter 20 000 euros d'occasion. OK. Ouais. Et une belle laverie, c'est 150 000 de 200 000 euros. Donc, j'ai commencé à acheter des petites laveries. Donc voilà, j'ai fait une laverie, puis deux laveries, puis après j'en ai monté des neufs, franchisés. J'ai monté deux grosses laveries à 150 000 euros. Du coup, là, je pense que j'avais une vraie expertise à la fin, parce que mes dernières laveries, c'est 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour 3 000 euros de bénéfice.
Donc voilà, j'étais quand même bien. Je fais la première laverie à Lausanne de France. Enfin, j'ai, comme dans tout ce que je fais, quand je le fais de manière originale et à fond. C'est ce qui fait un peu que ça marche aussi. Et après, je me suis mis du coup à aider les gens à monter des laveries automatiques. Et là, ça fait à peu près 3 ans qu'on aide les gens à monter des laveries. Avant, sur YouTube, tu tapais laverie automatique, tu n'avais aucune vidéo. Mmh. Tu avais 2 petits reportages qui se battent en duel. J'ai fait une quinzaine de trucs. Maintenant, tu tapes laverie automatique sur YouTube, tu as peut-être 50 vidéos des mecs qui se sont dit « Ah, putain !» Sauf qu'au début... Tu as été un des premiers à faire cette thème, cette niche-là, en fait. C'est vrai que... Ouais. Mais à mes dépens, parce que du coup, j'ai été très mal accueilli par les gens du métier. Mmh. Parce que j'étais le petit jeune qui parle de leur business un peu secret. Parce qu'il y avait pas tout le monde, mais il y en avait certains qui déclaraient pas ou mal leurs revenus. Okay. Et donc quand j'ai dit oh regardez ça rapporte tant, ça marche comme ça, j'ai pris des menaces. On fouille sur internet, vous trouvez des mecs qui m'ont fait du chantage, des menaces, etc. Okay. Juste parce que je les ai un peu fichés. Alors ils trouvaient des prétextes toujours plus faux les uns que les autres, etc. Donc voilà. Et c'est après fou, j'ai continué du coup dans mes laveries, j'ai installé des distributeurs automatiques. Donc au début, industrie de café, industrie de snack. Après, j'ai commencé à mettre industrie chez quelqu'un d'autre, etc. Et je voyais que ça me plaisait, c'était aussi automatique. Du coup, j'ai monté plusieurs distries, j'ai même racheté une société de distributeurs automatiques. Et à la fin, j'avais plus de 400 distributeurs automatiques dans tout le sud de la France. Donc même schéma, j'ai appris, j'en avais 400. Et quand je me sentais légitime, parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, j'ai besoin vraiment de me prouver à fond que je suis vraiment fort avant de former les gens. Et au bout d'un moment, schéma classique, j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait une audience, donc j'ai aidé les gens à monter leur société de distributeurs automatiques. Impressionnant. On ressent vraiment en toi le côté débrouillardise. Ouais. Tu t'intéresses pas, il n'y a pas spécialement un domaine qui t'intéresse, une niche qui t'intéresse, tu prends vraiment... C'est entreprendre qui m'intéresse, c'est créer une entreprise qui m'intéresse. Et bien la maîtriser, travailler dedans sans compter tes heures pour maîtriser tous les aspects techniques... et tout ce qui suit autour de l'activité. Et après, je remarque dans tes process que tu crées le business, tu passes de nombreuses heures dedans, tu le connais par cœur, tu testes le marché en ligne pour voir s'il y a une demande, tu en crées une formation, tu aides les gens à faire la même chose que toi. C'est ça. Du coup, ça te c'est réussit. C'est un écosystème, en fait. J'ai conscience de ce que c'est un écosystème, comment ça marche. C'est pour ça qu'après, j'ai créé un cabinet comptable aussi, avec un expert comptable. Et tous les gens qui montaient des laveries, des sociétés de distributeurs, ou que j'ai aidé à investir dans l'immobilier, je leur proposais le package complet. Si vous voulez, moi, j'ai un cabinet comptable, on est un peu différent des autres. D'accord. Venez voir. Et du coup, les gens. Moi, j'avais besoin du cabinet, mes clients avaient besoin du cabinet, c'était dans l'écosystème, donc j'ai monté un cabinet comptable. C'est intéressant. Alors, tu disais aussi que tu t'étais intéressé à l'immobilier à 15 ans. Ouais, mon premier déclic a été à 15 ans. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Moi, je me souviens pas quand j'avais 15 ans où je me disais à 15 ans, je me disais pas tiens. C'était une vraie remise en question que j'ai eue à 15 ans. Je commençais à avoir des mauvaises notes en fait. J'étais avec Steven à l'époque, on commençait à faire les premières conneries. Tout ça. Mais tu me disais aussi, tu vendais des Kinder Bueno à l'école. C'est ça. Donc tu commençais déjà à faire du business ça à moins été... de 15 ans à l'école. Ouais. Tu avais déjà la fibre entrepreneuriale, commerçante. Moi, ça je te dis, il y a des similitudes, des points communs. Parce que moi aussi, quand j'avais mes 15-16 ans, je vendais des. Tu sais, ma mère, elle m'avait acheté à l'époque. J'étais le premier à avoir un ordinateur avec Internet, un graveur CD. Et du coup, j'allais sur les sites comme Emule, Kazaa, je ne sais pas si tu as connu. Ouais. On téléchargeait les albums, les applications, les films, on les gravait. Et je vendais ces CD-là à mes potes à l'école. Mais dans ma cour de récréation, dans mon sac à dos, je n'avais pas de farde. J'avais vraiment mes listes. Tu vois, tous mes CD que je revenais, je gravais le soir, toute la nuit, je gravais des CD, des albums. Et puis, je les vendais le lendemain. C'était assez marrant. Du coup, et toi, tu vendais des Kinder Bueno, tu vois. C'est devenu un réflexe. Pour moi, c'est une passion d'entreprendre, de tester les choses, etc. Mais donc, du coup, s'intéresser à l'immobilier à 15 ans, c'est quand même pas mal, effectivement. Je savais que je voulais faire de l'immobilier, mais je savais pas quoi comment. Ouais. Et c'est juste une idée que j'ai gardée en fond. Et chaque année, je me renseignais un peu plus. Je me souviens, c'était le jour de mes 18 ans, parce que dans ma tête, je savais pas comment ça marchait l'immobilier. Le jour où j'ai mes 18 ans, je disais, ça y est, je suis majeur, je peux acheter de l'immobilier. Okay. Je vais sur le bon coin, je fais trier par prix, je regarde le truc le moins cher, un terrain de loisir à 3000 euros. Je me dis, ok, mais j'ai même pas 3000 euros en fait. Et là, je me suis rendu compte que c'était un rêve et qu'en fait, il fallait travailler un peu plus. Et du coup, je me suis renseigné comment ça marche l'immobilier, etc. Donc pendant longtemps, c'était qu'une idée. Quand j'étais confronté à mes 18 ans, même acheter un terrain, tu vas en faire quoi de ton terrain, etc. C'est ça. Et donc j'ai commencé à me former en fond, jusqu'à mes 21, 22 ans. Surtout à te dire, ok, je vais trouver un job, je vais pour capitaliser, pour finalement mettre de côté et acheter mon. Quand j'étais en CDD de ça, j'allais déjà voir les banques en mode ça y est, je travaille pour moi. Oui, je travaille, contrat. Je peux acheter. Non, vous avez un CDD. Ok, vous êtes un intérim. Ok, il vous faut quoi? Un CDI? Ok, je vais prendre un CDI. Au bout d'un moment, j'ai juste cherché à répondre aux règles. C'est ça. Enfin, j'apprends les règles et après, je fais avec. Et donc, tu as enchaîné jusqu'à 60 appartements. Ouais.
T'as 30 ans aujourd'hui. Ouais. 30, 31. 30. 30 ans, 60 appartements, c'est quand même pas rien. C'est un très très beau parc immobilier. Aujourd'hui, tu me l'as dit tout à l'heure en off, tu commences à vendre un petit peu, à nettoyer un petit peu les, peut-être les plus vieux. Ouais, les premiers biens, c'est normal. Au début, j'achetais tout ce que je pouvais. Maintenant, je commence à pouvoir acheter les plus gros trucs. Voilà. Donc, je vends les petits, je prends une petite plus-value et je mets dans des plus gros biens immobiliers. Mm-hmm. Et du coup, si tu es monté jusqu'à 60 logements, dont 30 en Airbnb, ce qui nécessite quand même avoir une équipe au niveau des femmes de ménage, je pense, au niveau du. Enfin, moi-même, je fais aussi de la location courte durée en Belgique. Je sais ce que c'est, ça nécessite d'avoir quand même une équipe. Du coup, je suppose que tu te l'es constitué. Est-ce que tu as créé une société par rapport non, au service ? Non, je n'étais pas fan de tout ce qui était société de conciergerie. Au début, j'ai beaucoup fait moi-même, comme on avait dit, pour apprendre. Ouais, c'est ça. Ah ouais, pour apprendre, je travaillais. À midi, j'allais nettoyer. À 17h, je faisais l'entrée, etc. J'ai fait ça tout le début jusqu'à que je démissionne. Et après, c'était ma conjointe qui arrêtait de travailler, qui faisait les ménages. Mmh. Et on gérait Booking nous-mêmes, etc. Et après, on a pris les premières femmes de ménage. Donc pendant longtemps, on a toujours gardé la gestion, même aujourd'hui. Là, je suis en train de la déléguer, mais on a toujours gardé la gestion avec les managers. Mais on a juste délégué le ménage à des sociétés de nettoyage. Combien d'Airbnb tu gères aujourd'hui ? Là, j'ai beaucoup vendu les Airbnb. J'aime bien vendre quand tout va bien. Moi, j'ai une strat que j'ai appris, c'est qu'il faut vendre quand tout va bien. Donc à contre-courant, quand tout allait bien, etc., j'ai vendu mes immeubles les plus rentables. J'ai encaissé une belle plus-value du coup, ce qui me sert d'apport aujourd'hui pour faire encore d'autres business. Projets. Et quand tu vends un Airbnb qui est en place, est-ce que tu le vends comme un appartement ou comme un produit financier ? Oh, comme un investissement. Comme un rendement. Ouais, comme un rendement. Et je me mets à la place de moi si je l'aurais acheté. Donc je le vends en rendement rentable en location meublée pour que la personne, si pour X raison l'Airbnb marche plus ou il veut arrêter, il soit quand même rentable. Et après, voilà, je le vends. Franchement, je suis pas gourmand. J'aime bien vendre au prix pour vendre bien, vite, comme il faut. Que tout le monde soit content, quoi. Ouais, c'est une ça. Bonne affaire. La vie, c'est gagnant-gagnant. Ouais. Du moment que c'est gagnant-perdant, ça va être reproché un jour. Mmh. Donc j'essaie tout le temps que les deux parties soient gagnant-gagnant. C'est ça. Et. Du coup, quelles sont aujourd'hui tes ambitions au niveau immobilier ? C'est quoi à quoi tu penses pour l'avenir ? J'ai pas mal switché. Donc au début, j'achetais tout ce que je pouvais. Enfin, le problème, c'est que je sais trouver des biens rentables. J'ai même fait le site lebienrentable.fr à l'époque. Donc je sais trouver des biens rentables assez facilement. Okay. Je sais pas, pour moi, c'est facile. J'ai une vision, je me projette tout de suite. Tu me donnes 4 photos, je te dis, ça fait comme ça, fait comme ça. Du coup, je pouvais acheter pas mal de trucs. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je pouvais pas tout acheter. C'est pour ça que j'ai créé un site pour aider les gens, finalement. Ouais. Je trouvais des biens pour les gens. Je dis, tiens, il est rentable, tiens, vas-y. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un peu changé de stratégie. C'est que je me suis rendu compte que je pouvais pas tout acheter. Donc aujourd'hui, je me concentre sur des plus gros biens, plutôt des locaux commerciaux. Mmh. Le ticket d'entrée est plus gros, donc je pouvais pas le faire à l'époque. Aujourd'hui, j'ai un plus gros ticket d'entrée, donc je peux le faire. Donc c'est des bâtiments qui vont coûter entre 300-400 000 et 1 million d'euros. Et donc je les achète. Et au lieu de les louer, je me suis rendu compte que le meilleur locataire, c'était moi. D'accord. Parce que moi, je paye bien, je paye tout le temps, je paye à l'heure. Je peux payer pas cher, je peux payer cher, etc. Et quand je me suis rendu compte de ça, donc maintenant, j'achète des locaux commerciaux et je mets des business à l'intérieur que j'exploite moi-même. Ok. Et du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je vends l'habitation. Je garde quelques habitations bien placées qui prennent de la valeur, etc. Je vends mon habitation classique d'investissement, de rendement. Et j'investis là, je viens d'acheter une usine 1800 m², une autre de 800 m² là à Toulouse. Enfin, l'église que j'ai achetée notamment pour exploiter. On va en parler, c'est intéressant. Et du coup, je fais ça. J'achète des gros locaux commerciaux que je loue moi-même. J'ai des rendements. C'est abusé parce que, avec ma vision et comment j'arrive à les diviser, j'ai des rendements insolents, quoi. Là, le dernier que j'achète, j'ai 1 700 € de crédit. Je l'ai acheté 400 000. J'ai mis un peu d'apport. 1 700 € de crédit, loué 10 000 euros par mois. Waouh! Donc, avec un locataire à gérer, etc., et pas 18 locataires à gérer, tu vois. Et c'est pour ça, parce que l'Airbnb, c'est bien. Si vous voulez gagner de l'argent, je dis tout le temps, foncez, ce qui rapporte vraiment le plus d'argent, en échange d'énergie. Moi, aujourd'hui, j'ai moins de temps, moins d'énergie à émettre, même si on délègue, etc. Donc, je préfère. C'est pas facile à faire avec les locaux, parce que les tickets d'entrée est gros, et dans les grandes villes, c'est assez rare d'en trouver des biens bien rentables. Mais c'est comme tout, c'est la vision. Quand tu achètes un bien immobilier, sur le bon coin, il va pas dire, regarde, super bien immobilier, 20% de rendement. Il faut que tu prennes un bien immobilier à 8% de rendement, que tu le travailles en 18-20% de rendement. Donc, toi, ta stratégie aujourd'hui, c'est d'acheter des surfaces commerciales. Ouais. Et soit d'y développer des propres commerces, toi, pour être ton propre locataire, c'est ça. Ou soit de trouver des locataires en commerce, évidemment, ouais, qui va permettre d'aller chercher. Donc pour toi, on va faire des plus gros rendements avec de la location commerciale plutôt qu'avec de la location courte durée type Airbnb. En fait, ça serait moins chronophage. Ouais, tu fais pas plus de rendement, c'est moins chronophage. C'est moins énergivore. Ouais, c'est ça. D'accord. Et moi, aujourd'hui, je cherche le temps, l'énergie. Ouais, mais alors, tu vois, tu disais tout à l'heure que tu aimais bien les business automatisés comme les laveries et tout ça.
Du coup, quand tu développes un business toi-même dans une surface commerciale, quels sont les profils types de business que tu peux y développer dedans? Alors, on va parler de l'avril, etc., ce que tu vas certainement expliquer. Mais tout à l'heure, en off aussi, tu m'as expliqué, par exemple, que tu ouvrais une boutique sur le thème d'Harry Potter. Mmh. Du coup, on n'est pas dans l'automatisation, il y a des salariés. Il y a du coup de la gestion de stock peut-être, la gestion d'achat, ouais, après, etc. C'est l'opportunité, il ne faut pas être bête non plus. Ouais. Là, c'était un local, j'en avais parlé sur YouTube, j'avais acheté, j'ai eu l'opportunité, il y avait un petit local de 10 mètres carrés, personne ne pouvait rien en faire, personne ne se projetait, il était vide depuis longtemps, c'était un ancien local où il y avait un distributeur de banque. Donc, mmh. 10 mètres carrés, tu ne peux rien faire. Moi, au culot, je suis allé, je trouvais le vendeur, je dis, moi, ça m'intéresse juste votre petit local parce qu'il était très bien placé. Et je vous l'achète 10 000 euros. Et enfin, ça s'est fait, j'ai acheté 10 mètres carrés, 10 000 euros. Mais parce que personne n'en voulait, tu vois, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Et moi, j'avais la vision, je savais que je pouvais soit louer la vitrine, soit en faire un petit truc. Encore une fois, je ne savais pas quoi faire encore, mais je savais que je pouvais en faire un truc. Ouais. Moi, j'avais l'idée au début de faire une boutique automatique à l'intérieur. Je n'ai pas eu les autorisations. Donc, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Et là, j'ai, par rapport à l'Escape Game où j'avais une boutique de produits dérivés dedans, je me suis dit, tiens, là, je suis en plein centre-ville. Une boutique en plein centre-ville, c'est beaucoup plus pratique. Alors oui, là, je dois avoir un employé. Après, je ne suis pas bête au point de vouloir zéro employé parce que mon objectif, c'est j'ai des objectifs financiers, d'être milliardaire, etc. Et je sais que je vais être obligé de passer par des salariés. Il ne faut pas être bête non plus. Ouais, tu vois. Donc j'ai des principes, mais je ne suis pas bête que si j'ai besoin pour avancer, bah, oui, il faut des salariés. Je ne peux pas tout faire moi-même. Même si je peux encaisser une charge de travail assez phénoménale, je me le suis prouvé plusieurs fois. Il ne faut pas être bête non plus. Je ne peux pas tout faire tout le temps. Quoi. Ok, et c'est très, 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 ta vision du business est très intéressante. Moi, ce qui m'intéresse aussi chez toi, c'est vraiment le fait de se dire, ok, je fais du business physique parce qu'aujourd'hui, sur Internet, quand on regarde des vidéos, quand on regarde sur Insta, sur YouTube, il y a énormément, tu vois, on parlait de dropshipping tout à l'heure, on parlait de business en ligne, on parlait d'e-commerce. Tu as l'impression que les mecs qui jouent aux montagnes russes, tu vois, tu les vois et puis tu les vois disparaître. Et on en parlait aussi en off. Ouais, parce que moi, ça fait depuis 2016-2017 que je suis un peu business en ligne et physique et j'en ai vu beaucoup monter, apparaître descendre, monter et descendre. Apparaître et disparaître aussi. Ouais, c'est ça. Tu alors les vois apparaître et disparaître. T'es constant linéaire. Du coup. Donc toi, t'as opté pour cette vision-là. Et comment en fait... comment tu as décidé, comment tu as commencé tes premières laveries? Tu as acheté donc une laverie d'occasion? Ouais, je me suis beaucoup formé, le peu que j'avais. Parce qu'il n'y a pas de formation. Ouais, donc j'allais sur le Bon Coin, il y avait des laveries à vendre et j'appelais les propriétaires. Bonjour, je suis intéressé, parlez-moi de votre business, tu vois. Mmh. Et je me suis servi de ça, j'ai appelé une vingtaine de propriétaires de laveries et c'est comme ça que j'ai appris comment ça fonctionnait, les machines, le truc, okay, le bidule. La formation gratuite. Ouais, c'est ça, mais je suis allé me la chercher, quoi, la formation. Ouais, et après, quand j'ai eu l'opportunité, il y en avait une dans mon secteur, j'ai dit, c'est parfait, au bout d'un moment, il y a tout qui est aligné, vas-y. J'ai mis 3 ans avant d'acheter ma première laverie, j'ai mis 3 ans à me former comme ça, droite à gauche, avant de dire, bon, allez, vas-y, là, maintenant, il faut y aller. C'est quoi la rentabilité d'une laverie? Comme tous les business, ça dépend de la taille de la laverie. C'est-à-dire une laverie de village et une laverie de centre-ville. Ouais, une laverie de centre-ville classique, je dirais, tu fais 3-4 000 euros de chiffre d'affaires. Une laverie classique, pas une petite laverie. Et du coup, suivant si tu as encore un crédit ou pas, tu vas faire entre 500 et 2 000 euros de bénéfice, quoi. Tout frais payé. Ouais, je prends l'exemple de deux laveries que j'ai, 10 000 habitants. Je fais 3 500 de chiffre d'affaires pour 2005, 2008 de charges. Donc j'ai un petit 800 euros de bénéfice, mais j'ai plus de crédit dans un an. Donc là, j'ai 800 euros de crédit, donc je vais passer à 1 600 de bénéfice à peu près. D'accord, ok. Et là, j'en ai une autre où je fais 6 000 par mois et j'ai 3 000 de crédit, de charges, etc. 100% autonome, 100% automatisé. Il faut employer une femme de ménage parce qu'il faut juste passer, nettoyer en permanence, en fait. Okay. C'est juste comme un Airbnb, finalement. Ça te prend combien d'heures? Toi, personnellement, ça t'implique combien d'heures par mois dans ce business? À gérer une laverie, aucune. Aucune. Au début, c'est moi qui allais chercher les sous juste parce que j'aimais bien. Et même ça, j'ai délégué aujourd'hui. Donc, qui va chercher les sous dedans? Un salarié. Ok. Ta confiance, tout ça. C'est ça qui est chiant avec l'espèce. Mais aujourd'hui, les laveries ont quand même bien évolué, donc j'ai contribué à ça. Aujourd'hui, 70%, 75% du chiffre d'affaires des laveries, c'est en carte bleue. Mmh. Donc quand on parle d'espèce, les gens s'imaginent qu'on a des liasses de billets, etc. C'est ça. Non, là, je vais retirer 1000, 1500 euros grand max, sachant qu'on récolte toutes les semaines, ça coûte de 300-400 euros. Ok, je vois. Et tu te mets aussi dans le loisir. Pourquoi avoir choisi le loisir? C'était par opportunité, parce que on a acheté une église, du coup. Okay. Il y avait une église à vendre qui était à 300 mètres de mon bureau et de là où j'habitais à l'époque. Je lui dis, putain, c'est la première fois que j'ai une église à vendre. Vas-y, il faut qu'on l'achète. Je savais pas quoi, pourquoi, comment, mais c'était tellement atypique, etc. Il le fallait. Je pourrais même pas te l'expliquer, tu vois. On avait plein de projets. On s'est dit, au pire, on fait un Airbnb atypique. J'étais dans l'Airbnb. Je sais très bien que je faisais 6 chambres d'hôtes. Ça marchait, je me gavais. Mmh. Donc j'avais des idées de fond, mais je savais pas quand. Donc on arrive à l'acheter. Finalement, on décide de faire une salle d'événementiel pour les entreprises, parce que ça manquait dans le secteur. 300 mètres carrés. Si on reçoit 200 personnes, une belle salle de séminaire, c'est assez sympa. Ça marche bien, ouais.
On n'a pas eu les autorisations, parce que pour recevoir 200-300 personnes dans un lieu, il faut les ERP, les pompiers, tout ça. Et sauf que nous, on était enclavés en centre-ville, on ne pouvait pas avoir les issues de secours, une église avec des marches, des trucs comme ça, c'était compliqué. Et on devait monter, on commençait à s'intéresser aux escape games, on aimait bien ça, on devait monter du loisir, et on s'est dit, on devait monter un complexe multi-loisir, et on s'est dit, bah, tiens, regarde, si on prend l'activité escape game, et qu'on la met dans l'église, ça serait hallucinant. On était en train de se faire chier à créer un décor artificiel alors qu'on avait un vrai décor. C'était une vraie église, 15 mètres de haut, 20 mètres à l'extérieur. C'était une vraie église. On s'est dit, on a un décor naturel. On dit, bah vas-y, on tente, on fait l'escape game dans l'église, vas-y. On s'est décidé à peu près au mois de juin-juillet. On a créé la boîte au mois d'août et on a ouvert au mois d'octobre. Donc vraiment, de l'idée, on avait déjà le bâtiment. Mmh. Et on a juste dit, bah voilà, on a raccordé l'eau. Il n'y avait pas d'eau, pas d'élec, pas de toilette. Ouais. On a tout raccordé. On passait avec un ERP 50 personnes. Donc là, on pouvait passer. Et donc, c'est ça qui a fait... Tu vois, c'est devenu tellement logique d'un coup. C'est ça. Et quand tu as créé l'Escape Game, tu n'en avais jamais créé auparavant? Non, et pour te dire, j'en avais déjà fait deux dans ma vie. Deux? Deux, ah ouais. Escape Games dans ma vie. En tant que participant, ouais, ouais. En tant que player. Mais après, en tant que businessman, j'avais déjà analysé, comme j'ai fait. J'ai regardé 40 vidéos, j'ai compris comment ça marchait. Ok. Et du coup, tu te dis, ok, avec ton associé, je suppose, je vais lancer un Escape Game dans cette église. Ou quand tu achètes l'église, c'est pas prévu pour ça. Tu regardes des vidéos, puis bah, tu dois faire appel à des artisans, je suppose, des décorateurs. Tu dois faire appel à différents prestataires pour créer les décors. C'est ça. Comment ça se passe? Au début, on ne sait pas comment ça se passe. Du coup, c'est le hasard. On va dans un escape game et on entend le salarié nous dire « Ah putain, moi, je changerais bien d'escape. » Donc je dis « Bah tiens, je crée un escape. Si tu veux, viens. » Tu débauches. Ouais, ouais, mais ça s'est fait naturellement. C'était, lui voulait partir. Moi, je commençais à avoir l'idée de faire l'escape. Et on s'est dit « Bah tiens, ça tombe bien, etc. » Donc là, on prend une personne qui n'avait jamais créé de salle, mais voilà, il quittait du métier. Donc il devait nous créer le scénario, le décor, etc. Parce que pour moi, il fallait un scénariste, c'était compliqué, etc. Bah oui. Et bah, du coup, tout le long du truc, je commence à voir comment ça fonctionne et ça me démystifie. Je me dis, tiens, avec tout ce que j'ai fait, c'est pas beaucoup plus compliqué que tous les business que j'ai fait. Et il se trouve que, heureusement, parce que du coup, on monte ça, et il se trouve que cette personne-là, on appelle ça un game designer un petit peu, qui monte ce business-là, et elle nous fait les scénarios, les décors, et le timing commence à se resserrer, il est un peu sous pression, et on a une date d'ouverture, on est à peu près à 10 jours de l'ouverture, et ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il me dit, bah, finalement, j'arrête. Et il me dit, en plus, je viens de déposer les scénarios au truc où on dépose les scénarios. Donc, si tu les veux, tu me payes un billet. Et sinon, tu peux pas ouvrir. C'était le premier vrai choc humain qui te dit droit dans les yeux. Non, donc, à 10 jours de l'ouverture. Ouais, il dit, je t'emmerde, je t'engueule. Enfin, voilà quoi. À 10 jours de l'opening, là où tu invites des gens, tu annonces une date d'ouverture. C'est ça, j'avais 121 personnes invitées, tout ça. Tu communiques sur la date, tu invites du monde, etc. Le mec, il te dit, bah non, écoute, j'ai déposé les décors que j'ai créés pour toi. Scénario, et donc, ouais. Tu m'as payé pour faire ces décors, ces scénarios. Alors que pour le coup, on l'avait créé en commun. Il y avait 4-5 personnes qui bookaient. C'était pas du tout sa création, tu vois, mais je sais pas. Et il a été déposé ces décors. Et à 10 jours avant l'ouverture, il te demande un... Ouais, ouais, non, de lui acheter parce qu'il les a déposés à son nom. Incroyable. Et du coup, là, bah, sauf que moi, je suis encore meilleur dans ces situations-là. Donc, humainement, j'ai pris un coup en mode, putain, les humains, ils peuvent être bêtes. Enfin, des fois, j'ai du mal à comprendre ce genre de comportement, mais je ne m'attarde pas dessus. Parce que soit je pleurais, je dis, ah, j'ai des problèmes. Soit je dis, non, et à 10 jours, je n'ai pas le choix. On va bosser deux fois plus. Donc, les scénarios, vu qu'on l'avait aidé à monter le scénario, finalement, ben, j'avais compris comment ça marchait. J'ai dit, OK, maintenant, cette salle, on va faire ça, cette salle, on va faire ça, etc. Les décors, OK, maintenant, on va changer ça, comme ça, comme ça. J'ai même pas vérifié s'il avait déposé, tu vois, mais je m'en foutais. Je dis, OK, j'ai compris comment ça marche, donc on va juste faire comme ci, comme ça, comme ça. Ouais. Et tu vois, on devrait ouvrir 3 salles. On a ouvert 2 salles à l'ouverture et la 3e salle 10 jours après, pour être sûr qu'elle soit quand même assez qualitative. Ouais. Et on s'est lancé pendant 10 jours. J'ai vraiment bossé jour et nuit, pour le coup, avec l'équipe, les artisans, tout ça. Et j'étais game master, game designer, tout ce que tu veux. C'est même moi qui ai géré du coup les premières parties parce qu'on n'avait pas de personnel. Et je me suis lancé à fond, ce qui m'a permis d'apprendre le métier, mais de manière ultra, enfin, sans le vouloir. Mais du coup, comme tout, j'étais à fond dedans. Et aujourd'hui, on monte d'autres salles et aujourd'hui, c'est moi qui fais les scénarios, les décors, etc. J'ai compris comment ça marchait. En fait, tu t'es retrouvé face au mur, t'as pas eu le choix de trouver des solutions. Par contre, je suis très bon face au mur. C'est ça que je me suis rendu compte. C'est que ça m'est arrivé plusieurs fois dans d'autres situations. Mais moi, face à un mur, je vais trouver la solution pour le monter. Tu vas façonner la porte. Et limite, j'aime ça, en fait. C'est horrible. Ouais, c'est l'esprit de challenge, c'est l'esprit de... c'est un mindset quand même, il faut savoir encaisser ça, parce que pour le même prix, t'en as un autre qui tape en dépression. Ouais. Tu vois, t'ouvres un commerce, t'investis,
Et à 10 jours de l'ouverture, le gars, il t'abandonne. Est-ce qu'il est revenu, ce type-là, ou pas ? Non, non, ça, il a fait durer des arrêts maladie, ça a duré des mois et des mois. Enfin, j'ai pas compris l'intérêt. Et franchement, plus ça va, plus au début, je le prenais personnellement. Plus maintenant, je me dis, franchement, si je commence à m'arrêter à toute la bêtise humaine que je vais croiser, parce que j'en croise encore aujourd'hui, j'ai pris le choix de moins m'arrêter dessus et de continuer à avancer. Ouais. Ça serait leur donner du crédit que s'attarder là-dessus. Ça. T'as eu des restaurants également ? Ouais, en plein Covid. Deux restos en plein Covid. Ouais, début Covid, on a toujours voulu avoir des restaurants. Okay. Et juste pour voir par curiosité comment ça marche, envoyer les plans. Parce qu'on a l'impression que les restaurants, ça rapporte beaucoup d'argent quand on n'est pas dans la restauration. Mm-hmm. Et du coup, on décide, une opportunité, pas très chère. Parce que je regarde tout le temps tous les business qui sont à vendre dans 100 km autour de chez moi. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, il y a deux restos qui tombent, encore une fois, à 300 mètres de chez nous. Mm-hmm. Donc, moi, je prends ça comme des signes. Mm-hmm. Donc j'achète deux restaurants, pas très chers. Et une pizzeria et un fast-food asiatique. Donc là, on tombe dedans, une équipe en place. Donc pareil, là, je me retrouve confronté à gérer des salariés. En plein Covid, avec tout ce que ça implique, etc. Donc on le tient, on tente des trucs. On se retrouve quand il y a un salarié qui est malade, à moi à faire les pizzas et à Steven faire le livreur. Enfin, mais le pire, c'est qu'on aime faire ça, tu vois, on kiffe le faire. Sauf qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que moi, j'aime bien prendre, redresser, automatiser et après faire un autre projet. Donc là, on se rend compte que la restauration, c'est bien, ça peut être rentable, sauf qu'il faut être tout le temps derrière. Mmh. Et moi, je ne peux pas parce que j'ai mon immobilier, j'ai mes laveries, j'ai mes trucs, mes bidules. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc soit de mettre un responsable, mais par expérience, les responsables, ce n'est pas notre truc non plus. Et du coup, on a eu l'opportunité de vendre les fonds de commerce. On les a gardés à peu près un an et demi. Et on a eu l'opportunité, on l'a vendu à une franchise. On a réussi à revendre avec une petite plus-value les deux fonds de commerce. Mmh. Et voilà, donc on était contents, on a eu toute l'expérience, toute l'expertise. On a testé, on a fait du marketing, on a fait de la pub, on avait fait la pizza. Combien faisait la pizza ? 1 kilo, on avait des montagnes de pizza. On s'est éclaté niveau marketing. Et après, voilà, pour gagner 1 000-2 000 euros par mois, ça m'intéressait plus. Il fallait trop d'énergie par rapport aux gains qu'il y avait. Mais si tu es dans le milieu et tout, tu peux te gaver. Si tu fais les choses bien, tu es derrière. Comme tous les métiers, en fait, on me demande souvent qu'est-ce qui est le plus rentable. Tout est rentable si tu es derrière, si tu le fais. Donc ça, c'est vraiment le point de base. Les gens pensent qu'il y a des solutions miracles. Non. Un boulanger est rentable. Un mec qui fait de la poterie est rentable. Un mec qui te vend des culottes en ligne est rentable. On le voit avec tous les dropshippers, etc. Il y a des mecs qui vendent des produits, des veilleuses, des oreillers, des chaises. Tout le monde arrive à faire de l'argent. Il faut juste le faire bien, de manière réfléchie, intelligente. Quels sont pour toi les 3, 4 ou les 5 éléments hyper indispensables pour que, ou même peut-être plus, hein, si tu en as 10, 15, 20, peu importe, quelles sont les clés essentielles pour qu'un business cartonne, au-delà de ce que tu viens de dire maintenant ? Est-ce qu'il y a un process, une strat, des clés, que voilà, si demain j'ai envie de commercialiser ces petits plateaux ici, quelle est la checklist pour faire en sorte que ce soit un succès ? On en parlait rapidement à table, c'est que je me suis rendu compte, parce que j'ai quand même monté pas mal de... Ça, c'est les business que je t'ai parlé, c'est les business où j'ai des sociétés, etc. Mais dans mes sociétés, j'ai testé beaucoup de business. Et je me suis rendu compte que, on va dire, 95% de tous les business que j'ai montés ont bien fonctionné. Après, je me suis lassé, etc. Donc, j'en ai arrêté c'est pas mal. C'est une volonté, ouais. Ouais. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais créé une méthode sans le vouloir. Je me suis rendu compte, j'ai fait le point commun entre tous les business que j'ai lancés ces 5 dernières années. Et je me suis dit, putain, en fait, t'as vu le marketing, on a toujours fait ça comme ça. T'as vu le produit, on l'a toujours travaillé comme ça. Et t'as vu que depuis qu'on a amélioré et qu'on a travaillé ça, ça marche mieux. Donc, on l'a fait dans les autres boîtes et on s'est rendu compte, comme ça, en parlant, qu'on avait une méthode qui fait aujourd'hui à peu près 45 à 50 points. Et on s'est rendu compte qu'on avait créé une méthode et que tous les business qu'on monte aujourd'hui, on le passe à cette méthode et on se rend compte que c'est rentable. Et cette méthode, en fait, c'est pas une méthode qui vient d'Amérique ou quoi, c'est notre méthode perso qu'on a créée. Sur le terrain où on parle du produit, de l'image de la boîte, etc. Et ça marche avec tout le temps, quoi. Et c'est donc en conseil concret, déjà, c'est un bon produit. Finalement, ce qui revient, c'est que tu peux vendre un produit de merde, mais ça dure jamais longtemps. Mmh. Mais tu peux le vendre. Par contre, fais-toi chier à faire un bon produit et tu verras que même si tu as un mauvais marketing, mais que tu as un bon produit, ça marchera toujours. Parce que ce qu'on a fait là, ces derniers temps, on est un peu moins présent là, sur les réseaux. Ça fait à peu près 6 mois, on a coupé les pubs de tous nos business. On fait encore entre 50 et 100 000 euros de vente par mois en fond. Parce qu'on a bien fait le travail, que ce soit le référencement, que ce soit la qualité du produit délivré, que ce soit la qualité des vidéos qu'on a fait, etc. Alors, c'est pas parfait. On essaye de faire bien. Ça sert à rien d'aller dans l'excès et de surtravailler ta petite assiette. Tu vois, ça sert à rien de la travailler 40 fois, de faire des études, des labos de recherche, etc. Fais un bon produit, teste-le. Et quand il fonctionne, lance-toi. Et voilà, tout simplement. Mmh.
Donc la qualité du produit, c'est le premier truc qui fait que tu as moins de risques. Après, il y a le marketing, tout ça, et il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans le marketing après. Ok. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent avoir le mode d'emploi pour faire un business qui cartonne, ils peuvent venir te trouver acheter ton infoproduit. On ne l'a même pas commercialisé, on en a juste parlé à deux, trois entreprises, et les entreprises nous ont dit « Oh, parfait ». Pour dire ça, aujourd'hui, on l'a appelé, on ne l'a même pas brandé. En interne, dans la société, on l'appelle la méthode du singe rouge. Du singe rouge, pourquoi? Si je te le dis déjà, ça implique un peu la méthode. Non, un singe rouge, c'est visible, etc. C'est par rapport à la visibilité. D'accord, ok. C'est que t'as un groupe de singes, si t'as un singe rouge, tout le monde regarde le singe rouge. On va regarder. Donc c'est le côté exceptionnel de la chose. La clé essentielle, hein, si tu devrais juste prendre dans tes 50 points un point le plus important, ça serait lequel? Avoir un atout marketing différent des autres. Être original. Avoir un point original dans la société. Comme ta pizza à 1 kilo. Comme la pizza à 1 kilo, comme l'escape game dans une église, tu vois, c'est avoir un point original. Ça, mêlé à tous les autres points, ça te fait un écosystème de malade. Okay. Et en fait, aujourd'hui, on gagne de l'argent sans faire de pub sur nos produits. Enfin, c'est incroyable. Mm-hmm. Intéressant. Et là, du coup, on le fait, on l'a testé, du coup, cette méthode. On le fait pour des gens. Je suis en train de la mettre en ligne. J'ai écrit, je crois que c'est... Sans te mentir, c'était hier soir ou avant-hier soir. J'étais en train d'écrire ce produit-là sur mon site, quantanoc.com. J'étais en train d'écrire, de dire, tiens, j'ai une nouvelle méthode. Contactez-moi si vraiment vous êtes intéressé. Pour l'instant, on prend qu'une personne par mois, mais en off. Et là, on est en train d'aider quelqu'un qui a une poterie. Avant, on aidait quelqu'un qui vendait des PDF en ligne, justement, etc. Mmh. Et en fait, on se rend compte que ça marche à chaque fois. Quoi. Okay. Mais ça nous demande de l'énergie parce que c'est notre matière, notre expérience qu'on vend. Du coup, on ne peut pas le scaler à l'infini et te dire « je te vends la méthode, fais-le » parce que ça ne marchera pas. Si la personne n'a pas le contexte, ça ne marchera pas. En fait, c'est vous qui pouvez mettre ça en pratique dans les entreprises. Parce que c'est la matière grise, comme tu viens de dire. C'est pas que la personne, elle peut acheter un bouquin de 50 points qui pourra le faire. Ça marchera, mais moins efficacement. Parce que moi, j'ai vraiment passé des milliers d'heures à me renseigner sur tous les domaines qui existent. Tu vois, des laveries, des comptables, des trucs, des bidules. Et je suis allé en profondeur sur 1 million de sujets. Parce que j'adore ça. Je passe mes soirées, mes nuits à faire des recherches. Et aujourd'hui, j'ai ce savoir en tête. Quand tu me parles de poterie, je suis capable de te sortir de comment c'est fait ça. Tu me parles de couteau, je vais dire, je connais un fabricant de couteau, ça marche comme ça. Okay. Et en fait, tu t'intéresses, t'es curieux. Ouais, c'est ça. Je suis curieux, mais de tout. Ça. Ok, intéressant. Donc la curiosité, finalement, c'est quand même un bon défaut. Ouais. Une bonne curiosité, curiosité. Chercher à comprendre, tu vois, c'est ça, les mécanismes, tout ça. C'est ça. Ok. Du coup, il faut quand même. On dit toujours dans le business, il faut être focus. Il faut être focus pour pouvoir bien progresser, bien développer un produit, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai toujours entendu ça. Nous, on lance un produit, tout le monde dit « Ah, faut être focus, faut être focus ». Nous, on lance 2 projets, 3 projets, tout le monde dit « Ah, faut être focus, focus ». C'est là que je me dis « Mais déjà, quand t'es focus, tu te fais chier ». Enfin, pour moi, tu vois. Moi, j'aime bien mon esprit, tu vois. Je vais regarder ça et dans ma tête, je suis parti dans l'usine déjà. Mmh. Mais vraiment sur tous les objets. Et donc, j'ai du mal à être focus. Je comprends que ça peut être bien d'être focus, mais pour moi, c'est se limiter à être focus. Il y a des gens, par exemple, ils vendent un produit, ils vont vendre une fourchette, ils vont vendre des fourchettes toute sa vie. Il va peut-être faire 5, 10 millions de chiffre d'affaires en vendant des fourchettes. Mais pour moi, ça doit être ennuyeux, sa vie. C'est ça. Moi, j'ai vraiment besoin de me diversifier. On appelle ça un peu le syndrome de l'objet brillant. C'est de faire, dès qu'il y a un business qui te paraît bien, tu le fais paf, paf, paf. Le bon opportuniste. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'a pas les capacités, faut être focus. Parce qu'en fait, c'est juste que tes capacités sont limitées. Mais si tu es capable et que tu as les épaules de gérer 5-10 business, pourquoi tu te priverais en fait? Pourquoi je me réduirais à être focus? Les personnes souvent qui m'ont dit faut être focus, c'est les personnes qui savent faire que être focus. Moi, j'ai prouvé, j'ai 15 sociétés, je les tiens sur les épaules. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont là. Aujourd'hui, j'ai un groupe, je fais plusieurs millions de chiffre d'affaires, etc. Ça marche sans être focus. Donc au final, c'est si tu as la capacité à gérer plusieurs projets, en fait, pourquoi t'en priver? Mais après, je comprends, parce que d'être focus, c'est bien. Mais moi, je trouve que c'est ennuyeux à force. Quoi. En fait, pour toi, c'est une capacité, c'est presque un don de pouvoir avoir la capacité de s'occuper de plusieurs entreprises diverses et variées. Ça fait beaucoup travailler, je le vois, quand dans la journée, on te pose 5 questions sur 5 boîtes différentes, etc. Il faut avoir une souplesse de cerveau, d'esprit qui peut faire mal à la pas. Tête. Ouais, tout le monde ne l'a pas. Je veux dire, toi, tu l'as. Moi aussi, je pense l'avoir parce que je suis actif. Alors, dans mon cas, c'est encore un peu différent dans le sens où je suis actif. Je te l'ai dit tout à l'heure aussi, j'ai une boîte qui vend des spas. Ouais. J'ai une boîte dans le bâtiment, dans la rénovation. J'ai mes principales boîtes sont dans le marketing, création de contenu, la vidéo, tout ça. Oui, dans l'immobilier aussi. Dans l'immobilier. Enfin... Du coup, c'est quand même varié. Mais ce que j'explique toujours aux personnes avec qui j'échange, c'est qu'en fait, peu importe, moi dans mon cas, peu importe l'activité dans laquelle j'exerce, je vais rester focus dans ma zone de génie.
tu vois, par exemple, dans la zone de spa, dans la boîte de spa. Alors oui, j'ai été installé les premiers spas avec mon associé pour comprendre le fonctionnement et pour pouvoir mieux le déployer, le vendre et le marketer. Mais en fait, peu importe l'activité, c'est ça que je voulais dire, moi, je vais rester focus dans ma zone de génie, donc c'est-à-dire développement commercial, communication, marketing. Ça, être focus, faut pas être focus tout le temps, tu vois, si j'étais... Il faut être focus, c'est ça. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est plutôt fort en marketing, en communication. Ben, on gère bien sûr ça. Après, on ne fait pas la prod, on n'est pas focus à la prod jusqu'au bout. Il faut savoir faire la part des choses, c'est en fait. Ça. C'est ça. Et aujourd'hui, toi, le fait d'avoir justement, comme moi, ces plusieurs boîtes, ces plusieurs entreprises, tout secteur quasiment confondu, je veux dire, elle était à combien ? Une dizaine de sociétés, 14, ouais, 15 là, je voudrais être à la 15e en création. Voilà, 15 sociétés. Diverses et variées, qui fonctionnent plus ou moins bien toutes. Ouais, d'accord. C'est ça, c'est entre 100 000 et 1,5 million. Ouais, mais ouais. C'est parfait. Et du coup, on en parlait aussi tout à l'heure en off, ça te permet en fait de ne pas être stressé. Ouais, niveau risque, les gens trouvent que c'est ultra risqué. Moi, je trouve que c'est tout le contraire, c'est comme un immeuble, c'est 10 fois moins risqué. Toi, tu as une boîte, demain, elle ne marche plus. Là, pour moi, c'est vachement dangereux. Moi, demain, j'ai une boîte qui marche plus, c'est pas grave, j'en ai 14 autres. C'est ça. Et donc, c'est comme un immeuble. T'achètes un immeuble, les gens disent, c'est risqué, etc. Non, t'as un locataire qui part, c'est pas grave, t'en as 3 autres qui payent le crédit. Acheter un seul appartement, c'est risqué. Tu fais partie de ceux qui préfèrent avoir 10 boîtes qui font chacune 1 million plutôt qu'une boîte qui en fait 10 ou 15. Mais je m'en suis rendu compte plus tard parce que j'étais persuadé au début qu'il fallait faire une boîte, ma boîte principale, qu'il fallait la pousser. Sauf que j'ai vu des paliers. Il y a des paliers de 0 à 1 million, je sais faire, c'est pas, entre guillemets, c'est pas dur. Mais après, de passer de 1 million à 2 millions, de 2 millions à 3 millions, c'est là que j'ai vu que les paliers, en fait, c'était de la structuration, du recrutement, etc. Et que j'excellais pas dans ces paliers. Donc là, je prends souvent du recul sur tout ce que je fais, etc. Ça, c'est pareil, c'est une sorte de don, je pense. C'est que j'arrive à me remettre en question moi-même, de prendre de la hauteur sur mes propres décisions. C'est assez spécial. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de dire non, en fait, voilà, t'es très fort de faire des business de 0 à 1 million. Ben, je préfère faire 10 business de 0 à 1 million. Mais je m'en suis rendu compte, ça, tu vois, il y a un an et demi. C'est plus stratégique. Aujourd'hui, en fait, hein. Ben, c'est ça. Et du coup, t'as moins d'employés, c'est un peu comme toi au final. En parlant d'employés, t'en as encore aujourd'hui, évidemment. Tu bosses aussi avec des freelances dans certaines boîtes. Quelle est pour toi la différence entre un freelance et un salarié? Au début, j'étais anti-freelance. Okay. J'étais de la vieille école, parce que je viens du monde où il faut être salarié, etc. Donc j'ai recruté les deux premiers mois de la boîte, j'avais déjà un employé en contrat, en CDD, etc. Classique. Pour moi, c'était le chemin normal, mais parce que je ne connaissais pas les freelances. Du coup, j'ai beaucoup recruté. On était plus de 25 à gérer ça. Et au bout d'un moment, gérer les problèmes du quotidien, etc. Je me suis rendu compte, avec du recul encore une fois, que je passais toutes mes journées à gérer des problèmes de salariat en interne plutôt que de travailler à vendre mes produits, à créer du contenu. Mais jusqu'à quand tu as 25 salariés sur plusieurs boîtes, tu es vraiment pollué en permanence d'un million de problèmes, etc. Et du coup, au bout d'un moment, jusqu'à la personne qui me l'a mis à l'envers, c'est arrivé. Il y en a eu d'autres employés qui sont engouffrés. En général, quand il y en a un qui part, ça met un peu le bazar. Donc j'ai vécu ça, mais vraiment en x10. Et là, c'est là que je me suis rendu compte. J'ai testé, je dis OK, pourquoi pas, on ferait pas un mix. On garde les employés qui apportent juste le plus de valeur possible. Et on prend sur certaines tâches, on va prendre un auto-entrepreneur, un freelance, etc. Parce que pour moi, c'est des chefs d'entreprise à part entière. Donc, ils vont peut-être comprendre le besoin différemment. Et c'est ce qui se passe. Eux, ils sont à leur compte. S'ils font pas le job, ils sont pas payés. Il faut qu'ils retrouvent un nouveau client. Donc, on a plus de chances de les perdre aussi, par contre. Il peut être peut-être moins fixe, mais au bout d'un moment, c'est comme tout, t'en trouves un bon. Et là, on a plusieurs freelances, la plus vieille, entre guillemets, je crois, ça fait 2-3 ans qu'elle bosse avec nous. Et voilà, ça se passe très bien. Donc aujourd'hui, on est passé de 25 salariés. Alors là, en tout, on doit être peut-être 10-12, grand max. Dans toutes les boîtes confondues. Ouais, avec à peu près 5-6 freelances à côté. Et on s'est complètement réorganisé à apprendre à travailler comme ça. Et je trouve qu'on fait le même chiffre d'affaires. Je veux dire à 10 plus 5 qu'à 25. Mais c'était une question de réorganisation et on s'y retrouve, je trouve qu'on s'y retrouve. Okay. Mais c'est dur parce que j'étais persuadé comme tout le monde qu'il fallait un max de salariés pour réussir et c'est ce que permet les boîtes qui font entre 0 et 1 million, c'est que quand tu as besoin de 0 à 1 million, tu as besoin d'un, deux salariés et d'un ou deux freelance. Quand tu fais 2 millions sur une même boîte, ça marche pas comme ça. T'es obligé d'avoir du fixe, entre guillemets, t'es obligé d'avoir 5-10 personnes en fixe parce que t'as un peu de compta à faire, t'as un peu d'administratif, etc. Entre 0 et 1 million, t'as moins d'administratif, une personne peut gérer plusieurs boîtes, etc. Et d'ailleurs, en parlant de ça, à travers toutes tes boîtes, est-ce
qui gère la comptabilité, enfin qui gère l'administratif de toutes tes boîtes ? Au tout début, c'est ma compagne, du coup. Quand après, le magasin, on a arrêté. C'est elle qui, par truc, qui m'aidait à gérer les boîtes mail et qui a fini par gérer l'administratif, etc. Alors que ce n'était pas du tout son job, donc elle l'a fait, etc. Jusqu'à que là, finalement, aujourd'hui, tu vois, elle gère les escape games que je monte. Donc là, ça lui plaît beaucoup plus. Elle bosse avec toi, ta femme. Ouais, ouais. Elle bosse avec moi. Bah, comme toi aussi, je crois. Ouais, ouais. Tout à fait. Et ta question, du coup, c'était l'administratif. C'est, ouais, qui gère aujourd'hui l'admin de toutes tes boîtes ? Est-ce que c'est toi qui le fais ? Non, ben, pendant longtemps, là, surtout ces dernières années, je recrutais des assistants administratifs, assistants de direction. J'ai essayé un peu tous les postes et je me suis rendu compte que ça répondait pas à mon vrai besoin. Quelqu'un qui travaille l'administratif, pour moi, c'est pas méchant, mais elle comprend pas la tâche, elle exécute des tâches. Sauf que moi, j'aime bien avoir la réflexion. Et là, je me suis réorganisé dernièrement. Donc, c'est moi qui, avec l'aide de ma compagne, mais 3-4 heures par semaine, je me suis juste réorganisé en disant voilà, ce tableau va faire ça comme ça, ce mail-là, ça va être géré de telle façon, etc. Et c'est incroyable, mais j'arrive à gérer l'administratif de mes boîtes avec une personne à 4 heures par semaine, plus moi qui fais ça, une ou deux heures en fond. Parce que j'ai simplifié tout l'administratif aussi. J'ai dit voilà, tous ces papiers, on n'a plus besoin, c'est pour ça, je change mes logiciels parce que ça me simplifie beaucoup de choses, par exemple. Je suis passé dans une ultra simplification qui fait que j'ai besoin de moins de monde pour gérer mes business et en étant plus efficient. Et du coup, j'ai les mêmes résultats qu'avant, avec deux fois moins de charges, deux fois moins de logiciels, etc. Mais c'était pas évident à faire comme travail. On comprend quand même que tu es un bon bosseur. Je veux dire, voilà, tu t'impliques dans tes business, tu passes beaucoup de temps, etc. Ta femme, on en a parlé, qui t'aide aujourd'hui à gérer, entre autres, les escapes, les diverses activités. Tu as deux enfants. Comment tu gères, justement, le lien entre le pro et le perso ? Ce qui est bien, c'est que je faisais du business avant, je les ai eus, donc forcément, bah, quand t'as des enfants, ça ralentit entre guillemets un peu. Je les ai eus en plus pendant le Covid. Mmh. Aujourd'hui, tu vois, ils ont 3 et 4 ans, je les ai vraiment eus en plein Covid, et en plus, ils ont 16 mois d'écart, donc assez rapprochés finalement. Okay. Et du coup, je me suis retrouvé avec une charge de travail, c'est comme si j'avais deux nouvelles entreprises, grosso modo. Hein. En charge de travail, c'est vraiment une vraie charge de travail. Donc au début, bah, c'est comme tout, mes business étaient assez automatiques, donc j'arrivais à en sortir. Mais j'étais toujours présent sur l'ordi, etc. Donc, j'ai pas eu un énorme impact. J'étais un peu moins présent pour des vidéos, pour gérer les employés. Mais j'ai pas eu un énorme impact dessus. Et j'ai trouvé un rythme où tous les soirs, à 18h30, 19h, grand max, je suis à la maison. Donc, je fais le repas. C'est moi qui les couche, etc. Le matin, c'est moi qui les emmène à l'école, à la crèche avec madame, etc. Donc, pour moi, tu vois, j'ai tous les matins, tous les soirs et tous les week-ends. Pas l'impression d'être un mulet de travail. J'ai juste, une organisation qui se fait assez naturellement. Où j'arrive à tout caler. Donc, je travaille beaucoup, mais pour moi, c'est un loisir travailler. Mmh. Donc déjà, depuis que j'ai ce déclic-là, pour moi, le matin, je vais pas au travail. Je vais m'amuser. C'est ça. Mais, les gens trouvent ça bizarre, mais c'est vraiment comme ça. Je me lève le matin, je dis, allez, vite, je vais au bureau, j'allume mon ordi. Et tu voilà, t'explores, on verra. En fait. Tu regardes ce qui va se passer. Mais c'est ça, comme façon... là, on s'est croisés aujourd'hui. Tu étais là, je dis, allez, on mange ensemble, on fait ça, on fait ça. Je subis pas ma vie, j'en profite, etc. Ah, ça qui est gay. En fait, quand t'aimes ce que tu fais, que t'es passionné, t'as plus l'impression de travailler. C'est ça. Et du coup, je peux engranger une énorme charge de travail, parce que pour moi, c'est pas une charge de travail. Ah, alors, ça. Bien sûr, il faut faire des papiers, etc. Mais vu que ça m'intéresse, je comprends, c'est pour moi, j'ai la finalité, etc. C'est pas du travail. Alors, par contre, je peux encaisser beaucoup du coup, de travail, entre guillemets, mais parce que j'aime ça. Donc, t'es la preuve formelle qu'on peut enchaîner 15 sociétés. Mmh. Multiplier les millions d'euros de chiffre d'affaires et avoir une vie de famille totalement équilibrée, profiter le soir après 18h, presque tout coupé. Donc ça, c'est ouais, le cerveau est jamais vraiment bien off, sûr, mais ça m'empêche. Enfin, j'ai pas l'impression de passer bien à côté sûr. De quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un gros projet là prévu pour prochainement sur quoi tu bosses pour le moment? Du coup, j'ai kiffé travailler dans le loisir. Du coup, c'est comme dire, on vend du bonheur aux gens. Les gens, ils arrivent chez toi, ils sont contents, trop bien, on va s'amuser. Ils te payent, ils s'amusent, ils sortent, ils sont contents et ils te remercient d'avoir payé. C'est et ça. J'ai dit putain, par rapport au business traditionnel, je trouve ça incroyable. Ouais. Et du coup, j'adore travailler dans le loisir. Donc j'ai un escape game, un gros escape game, j'en ouvrirai encore plus gros. Et je vais ouvrir un complexe de loisirs là où je mets 2 millions d'euros. Donc pareil, j'achète les murs, je fais les travaux et je vais faire du multi-activité. Okay. Et je fais un bar, restaurant, lancer de haches, salle d'arcade. Je prends toutes mes recherches, j'ai combiné, j'ai appelé tous les propriétaires centres de loisirs, j'ai passé, sans mentir, vraiment des centaines et centaines d'heures à analyser tous les complexes de loisirs. J'ai fait ma formule magique et là je sais exactement ce qui va marcher, mais ça m'énerve parce que ça va être facile, ça va marcher, c'est insolent. Mmh. Tu sais, c'est quoi la différence entre un produit classique, genre ça par exemple, et le business du loisir? Tu t'es déjà posé la question? Le point commun ou la différence? La différence entre n'importe quel produit qu'on peut trouver et acheter
et le loisir. Il n'y a pas de différence, c'est un produit, il faut que le client soit content. Ouais, je vais te le dire, en fait, la différence entre le business du loisir et les produits divers et variés qu'on peut retrouver un petit peu partout, c'est qu'en fait, tout ça, aujourd'hui, on peut l'acheter sur Amazon, on peut l'acheter sur Internet. Le loisir, tu ne sais pas l'acheter en ligne. Ouais, c'est là que tu vois, vivre une expérience. Et les gens ont besoin de se divertir, de toute façon, depuis tout le temps. On a besoin de se divertir et donc, je pense que, tu vois, même les restaurants, on peut se faire à manger à la maison. Ouais, donc, tu as un concurrent. En fait, le premier concurrent du restaurant, c'est ta maison, c'est ta cuisine. Par contre, le loisir, tu vois, c'est vraiment quelque chose où les gens, les cinémas, les bowling, les escape games de plus en plus, les box de karaoké, on entend de plus en plus de parler. C'est quelque chose que tu ne peux pas aller acheter sur Internet, tu vois. C'est l'expérience et on le voit dans l'immobilier, il y a la corrélation. C'est qu'avant, il y avait les Airbnb classiques, après, il y a eu ce qu'on appelle les love rooms. Ouais. Et aujourd'hui, tu as des Airbnb décorés sur le thème d'Harry Potter et les gens, ils achètent plus cher l'expérience entre guillemets. Parce que le même studio, s'il est décoré différemment, tu peux le louer deux fois plus cher. Les gens, aujourd'hui, je suis d'accord, ils veulent vivre de l'expérience. C'est ce que j'ai fait dans mes Airbnb. Et du coup, j'arrive. C'est pour ça que j'ai toujours 1 ou 2 ans, voire 3 ans d'avance sur la concurrence. Et je suis pas inquiet. Des Airbnb, avant, j'étais tout seul, maintenant, il y en a 50 dans chaque ville où je suis, voire plus. Et ça marche toujours autant. Et ça marche toujours autant parce qu'il faut toujours penser différemment. Si tu fais comme tout le monde, tu as le même résultat que tout le monde. Si tu fais différemment, tu auras un résultat différent. Associé, pas associé. Tu as parlé de ton associé. Tu as associé avec lui sur tous tes business. Pas sur tous les business, mais sur pas mal de business. C'est parce important qu'on travaille, pour toi. On travaille, ce qui est bien, c'est qu'on travaille les bureaux face à face tout le temps, sur tous les projets. Ouais. Et ce qui fait qu'on a une réflexion permanente, en fait. Dès que j'ai une idée, j'en parle. Dès qu'il y a une idée, on parle. Et franchement, c'est un énorme avantage. Et qu'il faut, bon après, faut savoir s'associer, etc. Mais c'est comme tout, si c'est deux personnes pas connes qui s'associent, ça marche. Le problème de, après, il y a toujours des questions d'argent, tout ça. Mais si c'est deux personnes pas connes qui savent mettre leur ego de côté quand il faut, etc. Comment on choisit un bon associé ? Ah, tu choisis pas. C'est, pour moi, c'est quoi un bon associé ? C'est quelqu'un qui, ce que je disais, c'est quelqu'un qui, quand il y a un problème, il sait t'entend. Oui, il a raison, il faut lui laisser. Oui, là, c'est moi qui ai tort, donc je vais l'écouter. Même si des fois, tu n'es pas d'accord, il faut savoir dire OK ou oui ou non. Mettre son ego de côté. C'est ça. Okay. Et c'est vraiment ça le plus dur. Et des fois, je ne suis pas d'accord, des fois, il n'est pas d'accord. Tu vois, l'église, pendant un moment, j'en avais marre, c'était long, on n'arrivait pas à avoir les autorisations. Pendant un moment, je dis allez, j'en ai marre. Tu vois, il lui dit non, vas-y, continue, tiens, on peut faire ça. Et finalement, tu vois, on a retrouvé le projet d'Escape Game, on l'a refait. Et aujourd'hui, on cartonne de malade. On a tous les offices de touristes qui viennent de partout. Les mecs, ils font 3-4 heures de route juste pour venir faire une partie chez nous. Non. Si c'était à refaire, tu te retrouves là demain, t'as à nouveau 18 piges ou 15 ans peut-être, 18 ans, 20 ans. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment ? C'est bateau, mais je ne ferais pas grand-chose différemment. Je me ferais plus confiance. Si. J'ai mis longtemps avant de me faire confiance. Okay. Et le jour où j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est le jour où j'ai dit « Ok, j'arrête d'écouter les autres, je démissionne et je vais m'écouter à moi parce que je pense que j'ai raison. » Et le jour où j'ai fait ça, j'ai ça décollé de malade. Je suis passé de 1500 euros par mois. Je m'étais écouté pour l'immobilier, mais le soir. Mais j'allais quand même bosser pour 1500 et je faisais des trucs. Je savais que j'étais pas rentable. Je leur disais « Faites comme ça. » Personne m'écoutait. « Non, tais-toi, t'es jeune. » Et vu que je m'imposais pas, personne. Et le jour où j'ai dit non. Moi, je vais m'écouter, je vais faire ça, comme ça, parce que je l'ai pensé comme ça. Et le jour où j'ai fait ça sur l'immobilier, j'ai cartonné. Le jour où j'ai fait ça, j'ai monté ma boîte, je l'ai fait comme ça, j'ai cartonné direct. Et maintenant, à chaque fois que je m'écoute, finalement... Donc, il faut prendre les infos. D'ailleurs, il ne faut pas être têtu et bête. Il faut écouter les infos, mais il faut aussi s'écouter à soi, se faire confiance. Et c'est là que... S'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast... J'espère. Et d'ailleurs, du coup, ça fait quasiment presque une heure qu'on tourne. Donc, si cette personne-là, elle écoute, c'est qu'elle est vraiment très motivée ou qu'en tout cas, tout lui intéresse. Une personne qui écoute ce podcast, qui aimerait bien, il n'est pas encore propriétaire dans l'immobilier. Ouais. Il aimerait bien investir. Peut-être qu'il est salarié. Ouais. Il travaille pour une boîte. Il a un bon revenu. Il est en couple. Sa femme a aussi un revenu, etc. Donc, on a un couple. Ils veulent investir en immobilier, ils ne savent pas par où commencer, ils ont peut-être peur. Est-ce que je vais savoir trouver un locataire ? Est-ce que, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil puissant à la personne qui regarde ce podcast et qui hésite ou qui ne sait pas par où commencer en immobilier ? Déjà, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Le premier truc, c'est est-ce que tu le fais pour gagner vite de l'argent et arrêter de travailler ou est-ce que tu le fais pour te capitaliser une retraite ? Donc déjà, pour moi, il y aura deux réponses. L'objectif, c'est de gagner de l'argent. Cherche pas. Tu prends un petit immeuble de rapport entre 2 et 4 appartements. Tu le mets full en courte durée. Tu fais un truc légèrement différent des autres. Et tu fais de la courte durée, c'est comme ça que tu vas gagner le plus d'argent le plus vite possible. Et un immeuble, on l'a vu, c'est pas si risqué que ça. Parce que ton risque, il est divisé par rapport au nombre d'appartements que tu as. Limite, plus tu as d'appart, moins c'est risqué. Donc, premier truc, si tu veux pas de risque, tu prends un immeuble, tu le divises, tu fais la courte durée, tu es payé en avance. Ton bien, il est tout le temps dispo. Si demain ça marche pas, tu le mets en location meublée, tu trouves un locataire facilement. Donc, pour moi, c'est la plus rentable et la moins risquée, mais en échange d'énergie. Après, sinon, c'est de.
Ouais, de s'écouter, d'investir le plus proche de chez soi. Sinon, deuxième conseil, c'est arrêter de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. J'entends tout le monde dire « Ah ouais, regarde cette villa, elle est pas chère, elle a 1 000 euros du mètre carré. » Je prends l'exemple type, mais c'est Perpignan, Béziers. T'as des quartiers, vraiment, t'as des immeubles à 200 000 euros, 5-6 apparts. Mais dans des quartiers très moyens et les gens le connaissent pas. Donc ils pensent que c'est mieux parce que t'as 12%. Moi, je dis souvent, va acheter un 9% à 10 minutes de chez toi, tu seras plus rentable que le 12% à 4 heures de chez toi. C'est parce ça. Que le problème, il va être multiplié par 4 à chaque fois, et t'en auras des problèmes, parce que c'est pas tout rose, il y a toujours des petits réglages à faire. Une serrure bloquée à 4 heures de route, tu vas payer 500 euros. Ouais. Une serrure bloquée à 10 minutes de route, le fais toi-même, soit ça te coûte 50 euros. C'est ça. Et en fait, la renta, le soin que tu vas amener à ton logement qui est qu'à 10 minutes de chez toi, tu vas tellement l'améliorer et l'optimiser que finalement, tu vas monter en rentabilité à 10, 10,5, etc. Et l'autre bien, lui, va descendre. Donc c'est investi proche de chez toi, même si c'est pas exceptionnel, fais-le proche de chez toi et t'as beaucoup moins de risques. Ok. Du coup, bah écoute, merci en tout cas pour tous ces conseils. T'as un très beau parcours brillant, entrepreneurial, t'oses, tu diversifies, j'aime bien ta manière d'entreprendre. Donc merci beaucoup pour ce partage. Je vais te laisser du coup clôturer ce podcast par un sujet qui te tient à cœur. C'est quartier libre. On est chez toi, tu dis ce que tu veux. S'il y a un truc que tu as oublié de dire, qui te tient à cœur, quelque chose, un conseil, un tips, peu importe. Tu dois clôturer ce podcast. Qu'est-ce que tu dirais ? Ouais, moi, j'ai un truc que je trouve qui est bien et que les gens devraient se faire, c'est de ne pas se focus que sur le web, que sur le business physique. C'est bien d'être un peu, entre guillemets, touche à tout. C'est un peu ce qu'on disait, le focus, c'est bien, mais c'est pas une vérité vraie pour tout le monde. Et que finalement, tu vois, moi, je fais autant du business physique, du business digital. Je dis souvent, je peux te démonter un mécanisme de distributeur automatique, je peux te monter un site web, je peux te faire une stratégie pour une entreprise, etc. Et je trouve que la curiosité, c'est pas un défaut, c'est une vraie qualité quand c'est bien fait. Et se faire confiance soi-même, c'est, je le répète, je l'écris en dédicace dans mes livres, etc. C'est vraiment moi ce qui a fait le game changer. C'est putain, il faut s'écouter, il faut écouter les autres, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de trop réfléchir. Et le jour où je suis passé à l'action, que j'ai acheté mon premier bien, parce que je faisais du rugby, je fais le parallèle, c'est un peu, moi j'étais talonneur, donc j'étais vraiment dans la mêlée, je fais 10 ans de rugby. Et limite, c'est ça, c'est très stratégique le poste, tu dois faire le lancer en touche, tu dois talonner, mais des fois, il faut éteindre le cerveau et avancer. Et c'est exactement ça. Fais ta strat, etc. Et au bout d'un moment, quand tu as confiance en ta strat, tu dis « Ok, j'ai fait ça. Mon plan A, mon plan B, mon plan C, il est là. J'ai toujours 3 plans sur tout ce que je fais en permanence. » T'éteins le cerveau, tu fonces. Et de temps en temps, tu relèves la tête, tu fais les réglages, t'éteins le cerveau, tu fonces. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Ok, très intéressant. Du coup, bah, merci à tous d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. Si tu l'as regardé jusqu'au bout, évidemment. Comme d'habitude, il faut envoyer de la force, il faut nous donner de la motivation à continuer si ça vous plaît. Donc abonnez-vous, laissez des commentaires, posez toutes vos questions, contactez-nous. Vous savez nous retrouver sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, enfin bref, sur tous les réseaux sociaux. Et puis bah, si vous avez des questions, si vous avez des profils d'entrepreneurs que vous aimeriez bien que j'interview, si vous avez des personnalités, enfin bref, peu importe, posez toutes vos questions, n'hésitez pas. Et puis bah, on se donne rendez-vous dans le prochain podcast, dans le prochain épisode. Merci à vous et à bientôt.